Nous allons montrer, grâce à cette figure, comment modéliser la déformation continue d'une portion de cylindre verte en une portion d'un autre cylindre verte. Comment? Regardez. Vous voyez, j'anime la déformation d'une portion de cylindre à l'autre. Je peux même changer le point de vue pour que vous voyez mieux. Voici. Comment a-t-on réalisé cette modélisation? C'est ce que nous allons voir après avoir arrêté l'animation, remis la figure dans ce point de vue-là. Regardons au pas à pas les constructions faites en montrant les objets cachés. Cela va être relativement simple, vous allez voir. Après cette droite, sur une droite parallèle, on construit deux segments qui vont être les rayons des cercles que voici, centrés sur la première droite bleue. Et à partir de maintenant, je fais les constructions classiques qui permettent de tracer, de découvrir le centre de l'homothétie, transformant le petit cercle en le grand. Ce centre est à l'intersection de ces deux droites. Regardez, ici, voilà. Ensuite, je fais les constructions avec les deux cercles qui permettent d'avoir les points de tangence et j'ai mes deux tangentes extérieures. Après, comme vous le voyez, j'ai construit cet arc qui passe par les extrémités des points de contact, idem de l'autre côté. Puis ensuite, je trace une droite sur laquelle je vais définir un curseur qui va me générer le rapport de ces deux nombres qui est ici en haut et qui va être compris entre 0 et 1. Ensuite, je mesure la longueur de cet arc et je vais générer un point, grâce à ce curseur, un point sur cet arc qui va aller d'ici à là, en reportant un nombre à partir de ce point. Donc le nombre que je veux reporter va être moins la moitié de la longueur de l'arc et plus la moitié de la longueur de l'arc qui est ici. Comment le faire? Eh bien, le calcul se fait se fait tout simplement en calculant un demi de ce nombre multiplié par 2k moins 1. Lorsque k va être égal à 0, vous allez voir que le nombre généré va être égal à moins 1,5 de la longueur de l'arc, voyez, moins 1,5 de 6, avec la précision de la calculatrice, et quand je suis ici, quand k vaut 1, eh bien, j'arrive à 1,5 de la longueur de l'arc. Alors, faisons ce report, ce point-là, voyez, qui se déplace dans cette partie ou dans cette partie, de là à là, voici. Ensuite, je trace cette demi-droite issue du centre de l'homothétie qui va couper l'autre arc en un autre point. Je définis ce segment-là, un point sur ce segment, et le lieu de ce point, quand ce point va varier, vous voyez, quand ce point varie, eh bien, ce point va décrire la courbe intermédiaire, le lieu, le voici. Vous voyez, j'ai obtenu la courbe. Et si je déplace ce point, j'ai bien le morphing d'un arc en un autre arc. Voici. Ensuite, je trace une perpendiculaire, puis un point. Je translaterai tout à l'heure ce point dans la translation qui déplace ce point en ce point, après avoir demandé son lieu. Son lieu, elle me donne une autre courbe intermédiaire décalée. Je trace les points, vous voyez, et ensuite je demande les lieux, et voici. Si je déplace maintenant ce point par une translation qui l'amène en ce point à la même hauteur que celui-ci, pareil là, eh bien ça permet de tracer les cylindres. Et regardez, lorsque je déplace ce point, j'ai la modélisation de mon morphing.
Si on continue la description de ce qui s'est passé, vous voyez, on mesure la distance qu'il y a entre ce point et ce point, la distance qu'il y a entre ce point et ce point, le rapport va me donner un rapport d'homothétie. C'est le rapport qui, de l'homothétie centrée en ce point, transformant le point qui était là en ce point-là. Nous allons utiliser ceci pour transformer ce point en ce point dans l'homothétie centrée là, ayant ce rapport. Voici. Pardon, je l'ai fait pour... J'ai d'abord tracé la verticale, pardon. Voici. J'ai d'abord tracé l'image qui m'a donné ce point. Je l'ai translaté, obtenu celui-ci. Voilà, ici, j'ai translaté ce point et je l'ai amené ici. Et je continue de cette manière. Alors, vous voyez que là, j'ai pris un 49 qui est le quart de la longueur de l'arc pour pouvoir le reporter ici et là. Vous voyez, ce point, ça me permettra d'obtenir des points intermédiaires sur mon lieu, comme tout à l'heure, avec mon homothétie. Voici les points, et avec des translations verticales, j'obtiens les verticales. Je fais la même chose au milieu, et voici. Il n'y a plus qu'à compléter avec les quadrillages sur les deux cylindres. Voici, là, j'ai translaté cet arc ici, cet arc là, et ensuite les arcs intermédiaires, après avoir tracé les dessus des cylindres avec des cônes, vous voyez, je trace mes verticales des deux côtés. Voilà, puis après, je translate mes arcs sur ce cylindre, sur l'autre, puis je translate les points qui vont me permettre de tracer les verticales sur ce cylindre, sur l'autre, voilà, voilà, et voilà. Ensuite, je me donne un nombre, 20, qui me permet de tracer un cercle centré, vous l'avez vu, au point qui est apparu, et que voilà. Ensuite, je trace le cône plat s'appuyant sur ce cylindre, et ma figure est finie. Je peux remontrer ce qui se passe en démarrant l'animation. Et voici la modélisation achevée.